A été écrit par un président turc. De qui s'agit-il? De, comme vous voyez là, de Turgut Özal. Turgut Özal a été un premier ministre, un président turc dans les années 90. Et il est décédé, je crois, en 1993, suite à des complications et l'autopsie qui a été, après une vingtaine d'années, a prouvé que c'était un empoisonnement, donc un assassinat. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du livre qu'il a écrit sur l'Europe. Donc, c'est un des architectes de l'Europe qui a voulu adhérer la Turquie à l'Europe. Il a travaillé très dur pour ceci dans les années 80. Donc, nous sommes en 2021 et que la Turquie n'est toujours pas en Europe. Donc, ces derniers temps, on a entendu donc plein de scandales, surtout le scandale du Sofagate, où les relations turco-européennes ne tenaient que sur un sofa. Mais, à part ça, je voudrais analyser, lire le livre avec vous, et prendre des passages de la Turquie en Europe, qui a été écrit par Turgut Özal, et le préface a été fait par M. Francis Laman. De quoi parle-t-on? Donc ici on parle d'un rêve, d'un mythe, d'un miroir. De quoi s'agit-il? Et c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo, pour vous dire que bientôt j'ai envie de analyser ensemble, prendre des passages, vous lire des passages et partager avec vous et ainsi que vos commentaires. Je vous remercie et je te dis à bientôt avec la Turquie en Europe, écrit par Turgut Özal. Could I ask now, coming to that question, I'm sorry, I made this. Let me tell you, Turkey will play an important role around us. I think it's a country with a pluralistic democracy and also secular state. That's a very important, because religious states mostly influenced by the rules and regulations imposed by extremes in the religion. And this formula was adopted by Kemal Atatürk. I think it was a good formula. And it frees the people to have free thinking. Otherwise, you have imposed to think that way or the other way. This is a good example. Economically, we have a free market. Free market, pluralistic democracy, and the secular state is a good example of the rest of the Islamic world.